Hey, how are you, Minasan? C'est Gunsho et aujourd'hui on se retrouve sur Splinter Cell Blacklist. Et ouais, je suis de retour dessus. Donc voilà, donc là je vais faire la mission 3 de Cobin, normalement, donc voilà. Donc c'est parti. Allons faire ça. Tes infos étaient correctes. T'as l'air surpris, je connais ces mecs. Et moi je te connais. Qu'est-ce que tu gagnes, toi? La sécurité? Ouais. Tu serais mieux protégé si j'avais une autre piste. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que tu dirais d'un petit échange diamant contre arme? Diamant contre arme? Ça mérite un coup d'œil. Je connais un gars qui exploite sa propre mine. Il échange du minerai contre des armes. Et après, il se sert des armes pour embaucher des ouvriers. C'est une vraie ordure. Donne les coordonnées à Grimm. Je regarderai. Mais non, il donne du travail. Sérieux. Bon allez, bah, c'est parti. Allons-y. J'ai le site en visuel, Grimm, t'es là? Je suis en ligne, fais-moi un topo. Ok. Je suis devant la raffinerie de Kimberlit. Il y a pas mal de patrouilles dans la zone. Et apparemment, ils ont aussi un poste de sniper. Il va falloir nettoyer la zone pour pouvoir descendre sous terre. Létal ou non, à toi de voir. Les autres cibles sont dans la mine? Oui, si on en croit Cobin. Alors soyons discrets pour éviter les renforts. Si je peux pas utiliser mon ordinateur, ni celui du boulot, et qu'il n'y a pas de wifi, parce qu'on est dans une putain de jungle, je fais comment, moi? Tu te concentres sur ton travail. Ça te changera pour une fois. Ouais, mais un connard que le boss aime bien. Au moins, le snipe m'emmerdera plus. Alors lui, il est avec sa caisse, ouais. Merde. Ta gueule. Voilà. Ça, c'est réglé. Il y a deux moyens pour entrer, par le concasseur ou par la porte. On peut monter par là? Non. La porte c'est où? Ah, la porte là, ok. Ok. C'est par là. Affirmatif. Bien. La structure que tu traverses concasse le minerai qui est extrait de la mine. Mieux vaut éviter de se frapper. L'entrée de la mine se trouve juste de l'autre côté de la machine. Et tu es mieux protégé à l'intérieur. Oh, super. Ok, bon, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils font comme nourriture, mais bon. Ah non, c'est pas nourriture, ah non, je suis con, c'est pour faire le béton. Enfin, ou non, c'est le diamant, ouais, c'est ça, c'est le diamant. En gros, ah, ce sera du diamant spécial humain. Merde. Lui il est là-haut. Lui il se ramène là. Théoriquement, je vais me débarrasser de ce mec. Toi, t'as dû pas faire tes lacets. Putain, il y a une fucking caméra. Et il y a un connard de. De colosse. Ça c'est fait. Après on s'en fout un petit peu la caméra parce que moi c'est pas là.
On va récupérer ça. Wow, on a un bonus pour cette mission. On a encore un portable tombé du camion pour toi. Tombé du camion. Rapporte-le. Par contre, je sais pas où il faut passer pour le reste. Ah ben là. Ok, il y a un mec là-bas, tac tac. Un mec là. Là-bas. Et l'autre il est où? Toi t'es mort. Voilà. Toi t'aurais dû pas faire tes lacets, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Et voilà. Bien compris. Le meilleur accès à la mine est un grand conduit de ventilation près de ta position. Ça se fait encore, ça. On revient toujours au classique. Bah, classique, ouais. Le conduit. Ok. Par contre, je rentre par où? Ah, par là. Voilà. Et hop là, la petite tyrolienne. Enfin, non, c'est pas une tyrolienne, non. C'est la... Non, c'est une corde. Tyrolienne, c'est... Ouais. Je me suis trompé, j'ai le droit. J'en vois une. Ah, voilà, rappel. L'idée, ce serait de placer des charges en haut du conduit et d'enfermer les ennemis à l'intérieur. Mais qui pourrait accepter de faire ça? On parlera tactique plus tard. Là, j'ai besoin d'options. J'aimerais pouvoir t'en donner plus. Allez. Voilà. Encore? Putain, mais il y en a combien? Ça y est, voilà la zone principale. Il faut s'attendre à une présence importante de gardes. Ces types ne plaisantent pas avec les diamants. Bah en même temps, c'est des diamants. Tu protèges pas une installation avec, avec des pignots armés avec des pioches. What? What the fuck, guys? Ah putain, j'ai vu combien ça paie ces saloperies de véhicules de 1. Hey, quelqu'un peut venir m'aider? Ah mais what? Rally, nègue? Oh. Fuck you, man. Ça y est, voilà la zone principale. Il faut s'attendre à une présence importante de gardes. Ces types ne plaisantent pas avec les diamants. Qui est là? Non, il n'y a pas un mec là. Non mais l'habitude d'un autre jeu là où tu es juste à sauter, à viser et sauter le bon endroit. Voilà. Alors là. Merde, 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 merde. Je suppose que c'était rien. J'aurais juré entendre des bruits de pas.
Si je tombe là, il y a pas un mec en face. Vous avez presque nettoyé le site. Il ne reste que 5 ennemis. Putain, mes caméras là, sérieux là. Qui a fait ce niveau avec ses caméras de merde là? Oh, putain, je crois qu'il se ramène. Ah oh, putain, non. Mais sérieux là? J'ai besoin d'aide. C'est parti. Venez par là, là. J'ai un cadeau pour vous. Et je pense que vous allez adorer. Ah mais j'espère pas qu'il monte. Oh. T'as vu quelque chose? Je vois rien ici. Pas rien là. On contrôlera un plus grand territoire si on se sépare. Ok. Haciendo otra ronda. Il faut que je le capture. Se va. Pueden enviar un equipo de limpieza. Le drone est déployé sur le terrain.
Equipo chequeado. Cambio. Allez, monte-toi. Putain, il me fait chier avec ses drones, lui. Non mais vas-y. ¿Hay alguien? Putain mais... Il est là. Il est encore dans le conduit. Il est encore dans le conduit, monsieur.
ennemi et la zone sera dégagée. Soyez vigilants, il peut être n'importe où. J'ai perdu le drone. Le drone est déployé sur le terrain. Tu viens de neutraliser une cible recherchée, Sam. Il y a un truc qui cloche dans ton secteur. C'est un connard qui se cache dans son machin là-bas. Eh hey, oh toi. Ouais ouais. Tu sers à que dalle toi. Putain. Je vais dire aux autorités qu'elles peuvent intervenir. On va te sortir de là. Merde. Putain, je peux plus récupérer là. Ah. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus tard pour un autre épisode. Sur Splinter Cell Blacklist, donc là c'était un show. Bye bye.